Ça, c'est les crampons Nike TN de Kylian Mbappé. Et dans cette vidéo, on va tester ces crampons TN pour voir s'ils sont incroyables ou complètement nuls. Pour cette vidéo, on a entre les mains les magnifiques crampons de Kylian Mbappé TN. Ces crampons viennent de sortir et existent en uniquement deux coloris, orange et violet. Et nous, on a le coloris orange qui est juste ici. Il est totalement magnifique. Et pour vous expliquer, c'est totalement une paire de TN comme ici. Mais ils ont rajouté juste en bas des crampons. Et du coup, ça fait une paire de TN crampons. Cette paire est estimée à un prix de 300€ sur le marché à l'heure actuelle, et on va tester cette paire dans cette vidéo pour voir si elle est totalement validée ou si c'est à ne pas acheter. Premièrement, on va commencer par noter cette paire au niveau de l'esthétique. Moi personnellement, je préfère beaucoup mieux les crampons de Mbappé en violet que la couleur orange. Donc je mets un 7/10 parce que les gars, les détails en orange, j'aime pas trop. C'est pas ma couleur préférée, mais le violet, c'était totalement incroyable. T'en penses quoi, Zach? Moi je suis pas du tout d'accord. Elle est incroyable à faire, elle est pétante. En plus, ah, c'est des TN, et moi je mets, comme je mets des TN, je mets un 10/10. Moi les gars, j'aime beaucoup les TN, c'est ma paire de TN, et vu qu'ils sont sortis ça en crampons, les gars, c'est incroyable. Je mets 10/10, c'est magnifique les gars, on n'avait jamais vu ça. Et le roi Mbappé les gars, il met ça. Donc les gars, c'est 10/10. Le premier test qu'on va réaliser dans cette vidéo, c'est un test de poids. On a ramené une balance qui est juste ici, ouais. Et on va voir avec le poids si en 75 ans, parce que ces crampons là, ils datent d'il y a 75 ans, ouais. Les crampons ont amélioré leur légèreté. Les anciens crampons c'est des briques, donc logiquement ils devraient peser beaucoup plus lourd. C'est parti, on va commencer par tester le poids de la paire de crampons TN Mbappé. C'est les crampons les plus légers soi-disant selon Nike. Les gars, c'est fait pour Mbappé, c'est fait pour aller vite, ça doit être léger. 3, 2, 1, ouais. Mesurons le poids de cette paire de TN crampons. 230 grammes les gars, c'est vraiment super lourd comparé, ouais, à ce que vous m'entendez, hein. Moi pour moi une paire de 2024 les gars, c'était automatiquement 100 grammes maximum, ouais. Les gars, là les gars, moi les gars, j'ai sorti un modèle 80 grammes. Moi je pensais que pour Mbappé les gars, ça allait être plus léger pour qu'il court plus vite. Malheureusement Nike n'ont pas sorti de modèle assez léger pour Mbappé. On va tester quand même les crampons de 1930 pour voir s'il y a une grosse différence. Les gars, on a ici les crampons de 1930, elles sont bien lourdes, bien cuir et tout. Là regardez les crampons les gars, pour là moi, je GTN, c'est minimum 500 grammes. Pour moi c'est 1 kilo. Moi aussi c'est 1 kilo, c'est 1 kilo. C'est brique, regarde. Oh. T'as vu comment c'est lourd? 330 grammes. 300 grammes en plus. 100 grammes de plus. Donc sur les deux crampons, ça fait 200 grammes de plus que sur les crampons Nike peu, et Mbappé. Les gars, c'est très peu. En vrai, par rapport à l'ancienneté des crampons, c'est peu. Mais les gars, faut rappeler quelque chose. Ces crampons, c'est une taille 44, c'est une taille adulte. Alors que ces crampons, c'est une taille enfant, c'est taille 39, les gars. Ce qui signifie, si ces crampons les mettent en taille adulte, à mon avis, il faut deux fois le poids de celle-ci. Ouais. Ça, c'est taille enfant, c'est plus lourd. Imagine en taille adulte à équivalence, ça, c'est deux fois plus lourd que ça. Pour le premier test, on va tester directement avec des crossbars. J'espère que vous êtes prêts l'équipe. Là, il y a les crampons de Mbappé en mode TN. Là, il y a les crampons de 1930, les anciens crampons. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a des joueurs très précis. Mbappé, il arrive à être précis. CR7 aussi. Ouais. Tous les joueurs sont précis. Mais les gars, à l'époque, c'était quelque chose, les gars. Maradona, Pelé, les gars, Zidane. Tous les gens qui datent de 1930, les gars. Tous les vraiment les cracks du foot, c'est des crampons en cuir comme ça. Et eux, ils étaient super précis en coup franc. Au poste foot, notamment à Platini. Donc maintenant, on va tirer et on va voir qui est le plus précis en crossbar challenge. C'est parti entre les crampons TN et les crampons de 1930. Let's go. Les gars, moi j'ai les crampons TN. Moi les crampons de 1930. Et on va voir si les crampons TN sont vraiment précis ou pas. Les gars, on va tester un crossbar challenge. C'est parti, je commence. 3, 2, 1. Oh, les gars, oh, la première frappe, les crampons TN, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Les gars, à mon tour de tester avec les crampons de 1930. C'est parti. Oh là là. Ah ça les gars, ah, ça c'est les gars. Vraiment, les crampons TN, ils se rapprochent des crampons anciens. Ouais. On est vraiment précis, on va continuer le crossbar, c'est parti. Les gars, on va tester avec 4 ballons d'affilée, c'est parti. Oh, 1/1. Oh les gars, ça, oh les crampons TN, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars. Dernière. Oh les gars, 2/4 c'est la moyenne. Les gars, ils sont vraiment précis, ça avance vraiment bien. Les gars, comme mini crypto, les gars, j'ai 5 ballons. On va tester tout de suite avec les crampons de 1930. C'est parti. Les gars, ça cause, il est vraiment les nul. Gars, j'arrive les crampons de 1930, ils sont pas faits pour lui. Il a fait 0 crossbar. Les gars, moi j'ai fait 2 crossbar. Donc, les gars, au niveau de la précision, les crampons TN, les gars, ils sont vraiment meilleurs. Ils sont vraiment dessus. C'est pour ça que Kylian Mbappé les porte. Après la précision, les gars, on passe à la vitesse. Donc, ces crampons, les gars, ils ont été conçus pour Kylian Mbappé. Et on a pris des crampons de Mohamed Salah, un des footballeurs les plus rapides au monde. Donc, les gars, on va faire une course et on va comparer c'est lesquels les meilleurs crampons pour courir. C'est parti. Les gars, à ma droite, on a Crypto avec les crampons de Mohamed Salah. À ma gauche, les gars, on a Mini Crypto avec les crampons TN
de Kylian Mbappé et ils vont tout de suite faire une course pour s'affronter et voir qui est le plus rapide. Les gars, on va faire un test sur le sprint de 30 mètres pour voir sur une petite distance qui gagne. Soit les crampons TN de Mbappé, soit les crampons de Mohamed Salah Adidas, et sur un 100 mètres. Donc on va comparer pour voir si les crampons TN de Mbappé ils sont vraiment bien pour la rapidité. Donc c'est parti, let's go. Vous êtes prêts? On est prêts. Les gars, juste quelque chose à dire. Est-ce que vous connaissez ce qui le pharaon? Je vais vous montrer tout de suite. Les gars, vous connaissez Kylian Mbappé, un des meilleurs coureurs au monde. Et je vais le tracer, les gars, avec les crampons qu'il porte. C'est sûr, je gagne. Allez, porte-toi, espèce de noisette. C'est bon, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, les gars, je l'ai fumé, les gars. Les gars, il y a l'avoir. Bah, pour le l'avoir. Les gars, arbitre. Moi, les gars, il y a ex aequo. Ex aequo, ça veut dire que les crampons TN, au niveau de la vitesse, c'est les mêmes que les crampons de Salah. Alors que les crampons de Salah, sorti à 10 ans. Ça, c'est juste sur un sprint de 30 mètres. On va faire le sprint de 100 mètres et c'est parti. Il est cul, les gars. Je sais que j'ai gagné, moi. Il veut pas fumer, il veut pas regarder l'avoir. On va faire ce sprint de 100 mètres. On va voir bien qui est qui. 3, 2, 1, c'est parti. Les gars, je pense que c'est les crampons de Mohamed Salah quand même. Purée. Les gars, c'est Crypto qui a gagné avec les crampons de Mohamed Salah. Les crampons de Mohamed Salah sont meilleurs que les crampons TN de Kylian Mbappé pour la vitesse. On peut dire que les gars, au niveau de la vitesse, les crampons de Mbappé ils sont bien. Mais les gars, les crampons ils font pas le joueur. Il est plus rapide. Et avec les crampons de Mbappé, on devient pas plus rapide. Les gars, le pharaon, les gars, je l'ai fumé. Après avoir testé la vitesse des crampons TN de Mbappé, on va tout tester les tirs en les comparant aux crampons de Ronaldo. Le on va meilleur tester ça. Tireur de penalty au monde. De penalty, les gars, donc on va tester les penalty avec les crampons de Ronaldo. Le maillot de Ronaldo, les gars. Je me suis mis en tenue pour prouver que les crampons de Kylian Mbappé TN sont une fraude, les gars, c'est de la fraude. Les gars, si j'arrive à gagner, ça veut dire que ces crampons ils sont vraiment faits pour les penalty. Et ce serait une dinguerie, les gars. Oh les gars, on a pris la meilleure paire pour tirer les penalty. Ça, les gars, c'est une des paires les plus récentes de chez Nike, les gars. C'est une paire de CR7, crampons CR7, c'est les gars. Une dinguerie. Entièrement carré. Et les gars, à l'heure actuelle, c'est la paire la plus puissante chez Nike. Et là, ceux-là sont venus les détrôner. Donc on va voir s'ils sont meilleurs en penalty ou pas. Et on va allumer Zakos et Takos qui est derrière dans les cages. Du coup, les gars, c'est Mnikto qui a commencé à tirer son premier penalty. C'est parti. On a 5 tirs chacun, les gars, comme une vraie séance de penalty, et ceux qui remportent cette séance de penalty, ce sera les meilleurs crampons pour tirer les penalty. Donc les gars, c'est parti avec les TN. Il faut savoir que Mbappé il sait très bien tirer les penalty, donc on va voir si ces crampons ils sont faits pour lui ou pas. Il sait tirer les penalty, mais pas mieux que Ronaldo. Donc les gars, pour moi, c'est raté dans le dos. Premier tir, les gars, il est validé 1-0. Il a vraiment bien tiré, les gars, je le félicite. Les gars, faut savoir que Cristiano Ronaldo normalement il rate pas. Et vu que les gars, je suis bien Cristiano Ronaldo, je vais pas rater. 1-1. Les gars, deuxième tir, c'est parti, on va rien rater, les gars. Oui, les gars, les crampons de Mbappé des TN, c'est incroyable. Les gars, normalement, avec un vrai goal, ça passe pas, les trucs comme ça, ça passe pas. Il est trop près du centre, les gars, ça passe pas. On aime la compétition ici, regardez le geste technique que je vais faire. Le goal, il va se faire foudroyer. Waouh, il est nul. Les gars, nul, c'est pas un vrai tir de penalty, ça. Je voulais tenter, les gars, j'ai raté. Les gars, troisième tir, c'est parti. Non. Les gars, je l'ai raté, j'ai le démon. Troisième tir, les gars, pour le moment, on est presque égalité. C'est but, les gars, c'est but. Les gars, quatrième tir, je vais gagner cette séance. Oui. Les gars, c'est à mon tour, faut que je marque. Oui, il a raté. Les gars, si je marque, j'ai gagné des cages, les gars. Juste au-dessus des cages. Les gars, cinquième et dernier tir, si je marque, j'ai gagné. Victoire des crampons TN de Kylian Mbappé. Les gars, je le félicite, les gars. On peut dire les termes, les crampons TN de Kylian Mbappé sont plus forts que les crampons de CR7. Ils ont réussi à améliorer ça au fil des années. Et là, les gars, on peut voir que pour l'année 2024, les crampons TN Mbappé sont excellents. Ça, ils marquent tous les pénalties, les gars. On a fait la vitesse, on a fait les pénalties. Maintenant, on va tester les crampons TN sur les contrôles et les jongles. Les gars, qui est de mieux que Paul Pogba pour faire des contrôles et des jongles? Numéro 6, j'ai pris sa paire, les gars. Et on va tester qui a les meilleurs jongles. Les gars, c'est la meilleure paire pour les contrôles et les jongles. Tellement il y a des pics dessus, ce qui fait que le ballon s'arrête. Et contrôle mieux. Et ça, à l'heure actuelle, c'est la meilleure paire pour contrôler les ballons et pour faire des jongles. Et on va tester si les crampons de TN arrivent à détrôner les crampons de Paul Pogba, les gars. C'est parti. Mini Crypto a décidé de prendre le ballon Mbappé. Pourquoi Mini Crypto a utilisé le ballon Mbappé? Parce qu'il a les crampons de Mbappé, les gars. Donc c'est logique. Et moi, personnellement, je vais utiliser le ballon de Neymar. J'ai les crampons Pogba avec le ballon de Neymar. Let's go. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus team Mbappé ou team Neymar. Les gars, moi, j'ai changé de camp. Je suis plus team Mbappé. Moi, les gars, je reste team Mbappé. Mais pour la vidéo, je suis obligé de prendre le ballon de Neymar. C'est parti, les gars. Premier contrôle pour ma part. 3, 2, 1. Oh là là! Il est propre, les gars, le contrôle il est propre. Validé ou pas validé? Il est collé au crampon, les gars, il est propre. Il est validé. Autour au crampon de Kylian Mbappé, c'est parti. Les gars, Mbappé, c'est pas son fort, les contrôles, c'est pas son fort. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, c'est totalement raté, les gars. Le ballon n'a même pas été contrôlé. Il a laissé rebondir. Mbappé, son fort, c'est pas les contrôles. Ouais. Et là, Mini Crypto, il a montré que les crampons d'Mbappé sont pas vraiment forts pour les contrôles. Les gars, on va passer au jongle, donc c'est parti. Pogba, les gars, faut savoir que c'est un des meilleurs jongleurs du monde. Et avec les crampons, les gars, c'est impossible de le battre. Mais on va voir si les crampons TN, on arrive à le battre ou pas. Donc c'est parti. C'est parti. Qui fait le plus de jongles? Ah, 19 jongles les gars, c'est sûr qu'il y a beaucoup de vent, donc ça augmente la difficulté. C'est pas mal, les gars. Les gars, c'est pas mal. Autour de Crypto, les gars, c'est parti. Faut que tu battes 19 jongles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19. Les gars, il a fait 19 jongles, les gars, c'est comme les crampons de Kylian Mbappé. Donc les gars, les crampons de Kylian Mbappé, ils sont bons pour les jongles, mais pas bons pour les contrôles. Oui. On passe à la prochaine étape de comparaison, c'est parti. On a testé les contrôles et les jongles. Et maintenant les gars, on va tester ces crampons de Messi, les gars, pour voir les coups francs, s'ils sont le plus meilleur forts. Meilleur tireur, les gars, de coups francs du monde. Les gars, Messi, la poule, gars, les gars, un des meilleurs tireurs de coups francs au monde. Les gars, écrit Messi dessus. Et on va tester si les crampons actuels de Messi, les meilleurs crampons pour les coups francs, sont meilleur. Encore meilleurs que les crampons Kylian Mbappé qui vient de sortir. Les gars, il faut savoir que Kylian Mbappé, il sait pas tirer les coups francs. C'est vraiment son point faible, les gars. Pourtant, il veut les tirer. Il veut. Mais il n'y arrive pas, les gars. Mais on va voir que si avec cette paire, il sait tirer les coups francs ou pas. Les gars, on va voir si pour l'année 2024, il va enfin réussir à devenir un gros tireur de coups francs grâce à cette paire TN. C'est parti, on va faire des coups francs. On va voir qui est le meilleur. Les gars, on va comparer les crampons TN de Mbappé contre les crampons Messi au coups francs. Donc c'est parti, je vais t'éteindre. Moi, les gars, je suis pas forcément fan de Messi, mais les gars, faut que je les termine. Les coups francs, il est vraiment imbattable. Et les gars, on va voir si j'arrive à mettre des coups francs avec le pied gauche, avec le pied droit, comme Léo Messi. C'est trop puissant. Et c'est but, les gars. Messi, c'est but. Il a la puissance. Un tir, un essai, réussi. Les gars, autour de Kylian Mbappé, donc c'est parti, les gars. C'est aussi but. C'est aussi but, les gars. Pourtant, Kylian Mbappé, je l'avais vu mettre un truc comme ça. Les gars, Léo Messi, les gars, la poulga, les gars, la petite poulga d'argent. Les gars, ça va être dur de surpasser Messi. Ça va être dur, les gars, ça va être dur de surpasser Messi, les gars. Oh les gars, ils m'ont fait un truc de fou ces crampons, les gars. Les gars, Kylian Mbappé, les gars, il veut tout tirer. Il veut tout tirer, mais il y arrive pas. Les gars, les crampons, ils sont vraiment pas faits pour les coups francs. Les gars, il a raté comme moi. Si je marque, les gars, on est égalité. Ça arrive, les gars. Messi aussi, il rate des fois, les gars. Faut dire qu'il est pas 100% de réussite, les gars. Donc c'est normal. Les gars, c'est à mon tour, c'est parti. Les gars, le petit gardien Zakos Bounou, les gars, Bounou, l'arrête, les gars. L'arrête, c'est carré. Là, on est égalité avec Mbappé, les gars. Mais je vais montrer c'est qui Messi, les gars. Je vais montrer c'est qui Messi. Même si je suis pas pour Messi, les gars, faut que je montre. C'est Golasso, c'est Messi, c'est la poulga et c'est but. C'est un but, les gars, contre-pied sur spécial. Et il l'utilise même au coup franc, donc c'est pas mal comme but. Mais les gars, faut que je les termine. C'est pas aussi beau que le coup franc de Messi. J'ai les crampons de Messi et pour me mettre vraiment dans sa peau, je vais essayer une frappe du pied gauche, les gars. Pour voir un petit peu, c'est comment Messi. C'est Golasso, c'est Messi, les gars. Pied gauche, même pied gauche, pied droit, on marque. Je suis droitier, mais pied gauche avec Messi, on y arrive. Dernière frappe pour moi, les gars, c'est vraiment chaud. Si je mets pas un top goal, les gars, les crampons de Messi seront au-dessus. C'est pas un top goal, donc on est d'accord pour dire que les crampons de Messi sont au-dessus en termes de coups francs, les gars. Kylian Mbappé, c'est pas son truc. Il y a du progrès quand même, les gars. Il y a vraiment du progrès. Par rapport au crampon bondi de Kylian Mbappé, par rapport au crampon bleu de Kylian Mbappé, Air Zoom, il y a du progrès, les gars. Là, il a réussi à mettre des coups francs grâce au crampon de Kylian Mbappé. Moi, les gars, Messi, vous connaissez la base, les gars. Pied gauche, pied droit, il marque les coups francs. Les gars, faut que j'aille terme. Messi, c'est meilleur, mais Mbappé, c'est en progression. Donc c'est vraiment pas mal. On va passer au test des dribbles, les gars. Là, j'ai les crampons de Neymar, les crampons futurs de chez Puma, un des meilleurs crampons pour dribbleurs, les gars. On est d'accord. Dinguerie, les gars, Neymar, dès qu'il était au PSG, il avait 7 paires de crampons et il a fait carnage, les gars. C'est le meilleur dribbleur de tous les temps, les gars. Et on va comparer avec les crampons TN de Mbappé. Mbappé aussi, c'est un bon dribbleur. C'est un bon dribbleur, mais il utilise plus sa vitesse que cette geste technique, les gars. Donc, à mon avis, au niveau des gestes techniques et des dribbles à l'état pur, c'est pas trop ça. C'est parti, les gars, j'ai les crampons de Mbappé avec le ballon de Mbappé. Moi, les gars, j'ai les crampons de Neymar avec le ballon de Neymar. Et on va commencer par le premier geste technique, passe dans la jambe classique. Tu fais ça. Fais-le. Les gars, c'est aussi simple, les gars. Zakos, quel est le meilleur passement de jambe? Bon, il est plus rapide, frère, les gars, tu s'arrêtes pas. Les gars, moi, t'arrives, tu fais ça. C'est long, c'est Mbappé, long, c'est long. Mbappé, les gars, tu notes qui? Vas-y, fais toi. Ah, c'est plus rapide, là, c'est plus rapide. Les gars, faut durer les termes, dis-le aux Zach, qui est le meilleur? Là, les gars, pour le passement de jambe, il y a 1-0 pour les crampons de Neymar. Ils étaient plus rapides, on est d'accord. Oui, les jeux, c'était plus rapide, c'était plus fluide. Les gars, Mbappé, c'est un petit passement de jambe après de la vitesse. Alors que Neymar, c'est que du passement de jambe. Les gars, Neymar, c'est du geste technique à l'état pur. On va tout de suite passer au deuxième geste technique qui est là, virgule. Je vais te tuer, là, Mbappé, il est bon en virgule, les gars. Les gars, vous arrivez, faites ça. Vas-y. Oh là, les gars, Mbappé, il est bon. C'était chaud, ça c'était chaud. Les gars, moi je suis Neymar, je prends les virgules comme ça, je prends les virgules comme ça, comme ça. On va pas l'attendre parce que je suis pas Neymar, je prends une virgule normale. Ah là, les gars, là, c'est rien à dire, c'est le faux Neymar, les gars. Il y a un partout, les gars. Mbappé qui égalise, les gars. On va tout de suite passer au dernier geste technique pour les départager. C'est quoi? Le geste technique, c'est le tour du monde. Le tour du monde? Le tour du monde. Neymar, normalement, il sait faire le tour du monde. Et Mbappé aussi. Du coup, faut savoir qu'Mbappé, il savait pas jongler. Donc, si je rate mon tour du monde, c'est normal. Mais si Neymar rate le tour du monde, c'est vraiment une dinguerie, les gars. On verra tout de suite, c'est parti. Commence, Mbappé. Bah!
C'est validé. C'est validé, mais c'était limite. C'est validé. On va voir si Neymar fait mieux que moi. Bon, les gars, c'est pas le tour du monde, c'est le tour du Brésil, les gars. On va voir ce que c'est. Tac, tac. Après, t'as fait 1, 2, 4. Normalement, Neymar a fait 2 ou 3. Facile. Oh là là, les gars, c'est vraiment le faux Neymar, les gars. Au niveau des dribbles, les gars, les crampons de Mbappé, c'est vraiment une dinguerie. Ils sont vraiment améliorés, les gars. C'est une dinguerie. On a éteint les crampons de Neymar. Après, les gars, les crampons de Neymar, ça, c'est les anciens crampons de Neymar. Si on a ramené les nouveaux crampons de Neymar, les derniers crampons qui viennent de sortir, je pense qu'à mon avis, ça les a tués en termes de dribble. Parce qu'il m'a plus en termes de dribble. Geste technique pure, à l'état pur. C'est vraiment amélioré, les gars, faut dire la vérité. Pour moi, Neymar, c'est tout le temps au-dessus, les gars. Je pense que c'est pas équilibré, mais vas-y, c'est pas grave. Au niveau des dribbles, les gars, les crampons de Mbappé, ils sont au-dessus. Tout au long de cette vidéo, on a comparé les crampons de Mbappé, les crampons TN, les gars, les derniers crampons TN, aux crampons de Ronaldo, Messi, Neymar et Paul Pogba. Et on peut dire les termes, les gars. Moi, ils m'ont bluffé, les gars. C'est parmi les plus beaux et les meilleurs crampons que j'ai vus. Ils m'ont vraiment fait changer d'avis, les gars. Les crampons TN, c'est vraiment quelque chose de fou, les gars. Et moi, ma note totale sur ces crampons, c'est 8,5 sur 10. Ça s'approche vraiment des GOAT. Pour ma part, les gars, j'ai pu les tester vraiment et je mets, les gars, 8 étoiles sur 10. Parce que des fois, les gars, je peux pas me mentir, je vous l'ai pas dit. Mais vu que c'est des chaussures, il y a des fois des dingueries, on dirait tu vas tomber. Les gars, pour moi, ils sont mal optimisés. Donc 8 sur 10. Moi, les gars, quand je vois les mini crypto, je vais leur donner un 9 sur 10 parce que esthétiquement, elles sont incroyables. En termes de vitesse, elles rivalisent avec celle de Mohamed Salah. En termes de frappe, les gars, en termes de frappe, c'est dingue. Avec Ronaldo, c'est une dinguerie cette paire de crampons, les gars. Si tu es fan de Mbappé et de ces nouveaux crampons qui viennent de sortir, tu te dois d'aller voir la vidéo où on a brisé 100 mythes de football en moins de 24 heures en cliquant en haut à gauche. Alors clique ici et vois cette vidéo où on brise 100 mythes de football.